Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Awaken Astral Blade, pour continuer le jeu. C'est bien par là que je devais aller? Certainement. Pas du tout, c'était par là. Il s'est trompé de côté. Mais il y avait de l'argent. Ça sent le boss, ça. Est-ce que vous le sentez aussi, le boss? Encore lui? C'est celui de l'intro. T'as déjà tué, toi? Le briseur des plans. Ah. Aïe, c'est absolument pas ce que je voulais faire. Croyez-moi. Il est chiant. Allez, viens. Ok. Saloperie. Ah. C'est chiant. T'es chiant, Jackie! Aïe! Ça, c'est un peu dégueulasse. D'accord. Aïe! Ok. Vas-y, t'es chiant. Allez, Jackie. Ah, je croyais qu'il allait tirer. Oh, wouhou. Jackie, t'es chiant. Voilà. Merci. Ok, il s'est intéressé dans le sol, qu'est-ce qu'il fait? D'accord, sympa. D'accord, sympa. On peut le taper, vous croyez? Juste avant qu'il sorte. D'accord. Sympa. Ah, il est sympa, très très bien. Pourquoi elle a pas fait son attaque x3 là? La merde. C'est nul. Tu sers à rien. Tu sers toujours à rien. Bah écoutez, s'il veut pas se battre, moi je vais me battre. Hein. Il sert à très bien. Ok. Hop là. On est presque à 50% du jeu déjà. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Okay.
Ok, ça c'est un retour. Ok. Ah. Sympa. Moi je suis parti par là. Hein. Et ça va être un truc qu'on va pouvoir casser de l'autre côté. Vas-y, vas-y, tape. C'est bon ? Merci. Des anciens. Hop. Ok. Hop. Hop. Allez. Nice. Ok. Ça, c'est récupéré. Alors, ah, il y a un scientifique là, je crois. Ok. 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 Ok, nouvelle zone. Là, il y a une sauvegarde avec un... une porte. J'ai presque envie de retourner en bas. Plein. Bonjour. En fait, je voulais passer à travers. Allez, dégage. D'accord, je pouvais pas bouger. Ok, c'est un retour. Mais... on s'en fout, on peut sauvegarder juste derrière. Dégage. Des compétences, j'ai 5000 balles. Il fallait combien pour monter? 8000. On va surtout se focus sur les armes, je pense. Je pense que ce sera quand même mieux que de se focus sur les aptitudes. Parce que par exemple, on me parle de bouclier, mais j'ai pas de bouclier. Donc on me parle d'hormones, mais j'ai pas d'hormones. Si, elle doit en avoir, mais bon, vous avez compris quoi. Ça c'est tellement chiant. Gros reproche du jeu, c'est ça. Hein. Si tu te prends une attaque, tu te prends absolument tout. Par exemple, la charge, là, t'es obligé de tout te prendre. Voilà. Et là, voilà, encore une fois, j'étais en fin d'animation, donc je pouvais rien faire. Voilà, là je peux rien faire, je suis obligé de me prendre les deux coups.
ça, je trouve ça dommage. C'est le plus gros reproche du jeu que j'ai à lui faire. C'est que même si t'as pris un coup, tu peux pas instant appuyer sur esquive pour passer à travers le coup et dire bah voilà, ouais, ok, t'étais en animation, mais je te donne le droit entre guillemets de d'être en animation, quoi. Parce que là, en fait, t'as pas le droit d'être en animation quand on te tape. C'est un petit peu chiant. Ça manque de... de résistance au, au stunlock. Ça par contre, ces attaques là vous immunisent. Merde. Et là, t'es obligé de te prendre la max, par contre. Voilà. Ok, merci. C'est pas long. Ça aussi, petit défaut. Que t'as des mobs enterrés et que tu peux pas les toucher sauf avec certaines attaques. Et ils sortent que si t'es loin, et donc là il faudrait que je descende de la plateforme, ce que j'ai pas envie de faire. Ils ont malheureusement que très peu d'intérêt. Ok. Quand même quelques reproches à faire au jeu, hein, mais bon. Le jeu est globalement très bien. Merde. Je croyais que ça passait. Non mais... Voilà. Par contre, quand on le chope, il est à l'extérieur, là on lui met ce qu'il mérite. Ok. Et... défaut ça aussi, les pièges on les voit pas, hein. Dans la même salle, d'accord. Oh, on me dit que je peux monter, je monte, hein. Ok, là assez, ah, d'accord, il y a un chat. C'est surtout à quoi il sert maintenant les chats. Nice. Ouais. D'accord. Qu'il faut faire, non? Bah non, c'est ça. Tout simplement ça. Ah mais ils doivent manquer des pouvoirs. Des dash ou des conneries comme ça. Ah, il y avait une porte là-bas au bout de l'univers que j'avais jamais eu. Ok. Parce que là, clairement, on est d'accord qu'il me manque un dash vers le haut. Je peux jamais aller faire ça.
Je ne peux m'agripper qu'au mur jaune. Il y a certainement un dash vers le haut. En attaque. Et... Ah merde! Il y a une... Ok, il y a un ascenseur. Et on va certainement pouvoir ouvrir cette grande colonne. Ouais. Okay. Une épée en plus. Aïe. Aïe. Hein, comme j'étais derrière lui. Oh, vas-y, ces mobs-là, ils m'énervent. J'étais derrière lui. Il m'a quand même touché, il m'a enchaîné. Non, non, j'étais derrière lui, il ne peut pas me toucher. Ça aussi, c'est des trucs qui m'énervent quand les mobs peuvent te toucher à 360 degrés. Et que toi, tu peux pas. Faut que je réouvre. Oh, le jeu. Je viens de le faire. Tu aurais dû sauvegarder ça. Non, là, je suis pas content. J'ai de refaire une zone qui sert à rien. Pourquoi il a pas sauvegardé ça? Sérieusement. En plus, on a déclaré que c'était de la merde, ton énigme, là. Vas-y, elle s'est pas raccrochée, ça m'énerve. C'est bon, là? Merci. C'est bon? Allez, hop. On s'en fout. On va sauvegarder maintenant, parce que comme ça, on est sûr que c'est fait. J'ai sauvegardé, hein, donc c'est obligé d'être... au prochain coup, c'est obligé d'être validé, hein. Non, parce que bon, l'énigme, c'est pas qu'elle est à chier, mais elle sert un peu à rien, quoi. Vas-y, je vais d'abord descendre là. Et quoi, tout en bas. Je demande l'attaque en... Hé hey. On sait pas. Et là, il m'a pas touché. Incompréhensible. Et là, il ne touche pas. Incompréhensible de pourquoi tout à l'heure il m'a touché. Là, t'es obligé de te prendre le coup. Super. En bas ici. Ah non, je peux encore descendre, d'accord. C'est là d'où je viens. Ok. Salle qui ne sert à rien. D'accord. Ok. Qu'est-ce qu'il a le jeu? Je sais pas pourquoi il y a eu une sorte de lag là.
j'ai 1000 de thunes. Alors là, on avait décrété que ça servait à rien. Donc j'ai fait le bas, il faudrait que je fasse le haut. Et c'est là qu'il y avait l'autre enfoiros là. Maurice. On a décrété que tu t'appelais Maurice, mec. Ok, j'ai celle-là. Oh oui, oh oui, oh oui! Moi aussi je peux être invincible quand je time bien mes attaques. Oh ah, par contre ça m'intéresse. Ah bah je l'ai déjà fait. Je pouvais descendre en bas là. Est-ce que j'ai envie d'aller faire ça? C'est un bonus. Un truc un peu caché. Je peux toujours pas ouvrir ça. C'est pas la première fois qu'on voit des portes comme ça. Hein. Ça, on est d'accord. Ah, j'ai déjà fait ça. Ok. Donc, je vais clairement ouvrir en haut et en bas. Et j'aurai une sorte d'ascenseur pour remonter. Ah. Ok. Ok. Tant qu'on n'a pas tout débloqué, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Ok. On avait dit que c'était au-dessus, hein, que ça avait été débloqué. C'est ici que ça a été débloqué, oui. Ok. Ah, donc là j'ai un raccourci. Ok. 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 J'aime pouvoir prévoir que je vais me faire niquer le cul. Parce qu'en tant que slanéchiste, me faire bourrer le cul, ça me dérange pas. Mais je préfère quand même qu'on prévienne. Vous savez, nous, on est quand même des gens civilisés. Ça, ça ouvre là-bas, ok. Là, c'est bon. On peut toujours pas aller sauver le petit chat. Les petits chats. Donc maintenant, on doit aller là. Ah, il dit que j'allais avoir plein de pouvoirs ici aussi. Hein.
une sauvegarde, très bien. J'aime ça. Moi j'aime les sauvegardes, vous le savez. Ok, là c'est un boss, clairement. Ah non, c'est pas un boss, mais c'est une... Ok, non mais ça va aller de me faire... C'est bon? Comme je l'ai dit, nous les slanéchistes, on aime bien se faire boire le cul, mais seulement quand on nous en parle avant. Oh, il y a du tir blanc. C'est quoi ce... c'est quoi cette... Ok. Pourquoi je peux plus faire mon sort... Mon sort deux fois en l'air... Elle fait n'importe quoi. Normalement, quand je fais deux fois en l'air et triangle, enfin Y, ça fait un tourbillon. Voilà! Bah quand même. C'est quoi ce machin? Quelle est cette chose? Je me fais bourrer. Je ne vois rien. Je me fais bourrer, je ne peux rien faire. Je me prends tous des coups, je ne sais pas quoi, comment les éviter. Mais comment j'ai été touché là, je ne comprends rien. Je n'ai rien compris. Alors cette arène, je n'ai rien compris, je me suis fait bourrer de A à Z. Dès qu'il y a un truc qui est apparu là, une sorte d'arbre devant moi, il a popé instantanément, je ne sais pas pourquoi. Je ne pouvais plus taper. Enfin, quand je tapais, ça les soignait. Et j'ai mis mais genre 20 minutes à faire... Ah ok. Ah ok. Je peux jouer. Je peux jouer, j'ai le droit. Merci. Non mais c'est bien de pouvoir jouer, vous savez. Voilà. Alors, ça j'ai jamais rencontré non plus. Et c'est très fort. Il y a eux là. Ah mais je les vois pas. Je suis en train de faire une attaque. J'aime bien quand même quand les jeux t'en mettent plein la gueule pour rien. Juste le fait de pas avoir de frame d'un vu ou... Là, attendez, je suis derrière lui, il fonce dessus et il arrive à me toucher. Je ne peux plus faire mon attaque, c'est fou ça. Ok, j'étais au milieu de tout là. Mais tu vas me laisser jouer? Je suis en train de faire des attaques quoi. Putain, c'est chiant, punaise. Puis dans l'animation 2, je monte les escaliers. Tu meurs? Merci. Dégage. Ok, je les ai tous tués. Alors, pire arène de l'univers, quoi. On doit pas la recommencer si je sauvegarde l'arène de ses morts. Non, mais entre l'arbre qui redonne de la vie à tout le monde, et je sais pas pourquoi, mais mon attaque tourbillon en l'air, elle a du mal à sortir. Pourquoi elle ne sortait pas? Je sais pas. Mais à un moment, pareil, elle a donné un coup de faux. Bizarrement. Ouais, non, c'est clairement là qu'il faut aller d'abord. Non! Tu m'énerves.
Tu meurs. Ah, c'est chiant ça quand ça fait ça. Voilà. Moi, je vais là. Voilà, c'est bon. Maintenant, je peux aller dans le sens que tu veux. Voilà. Ok. Sympa. Ok. Il a pas fait son double saut et je prends la max. Très bien. Ils sont tous tombés, ils feront tous l'amour en bas. Je leur ferai les pieds. Ok. D'aller par là, moi je monte là d'abord. On se concentre un peu trop sur cette stèle. D'accord. Ok. Va d'abord faire le centre. Il va me falloir un objet, ça va, on va pouvoir faire un truc ici. Ah! D'accord, donc j'ai oublié de faire un truc ici. Donc c'est clairement là qu'il faut aller. Il faut sauter, quoi. Et qui es-tu? Qui êtes-vous et pourquoi êtes-vous pris au piège? Vous me connaissez? Oui, bien sûr, si tu es là devant moi, c'est grâce à mon aide. Mais parlons de ça plus tard, il y a un arbre gigantesque au-dessous et je suis prisonnier de ses branches. Je n'ai plus beaucoup de force, c'est con. N'en dites pas plus, je détruirai, je vous libérerai. Nous on veut pas aller en bas tout de suite. Et en bas c'est la suite. Voilà, justement, c'est ça que moi je voulais. À un moment on va pouvoir remonter par ici alors. Ok, ça je peux toujours pas, mais on pourra. Ok. Hop, et là on peut pas non plus, mais par là, oui. Ah, c'est un boss. Le boss arbre. Arbre marbre. L'esprit du désespoir. Il faut tuer, je suppose qu'il faut... Ouais. Et ce serait bien de pouvoir le toucher quand même. Ok.
Ok. C'est quoi ça? Quoi? D'accord. D'accord. J'aime m'en prendre plein la gueule sans rien pouvoir faire. D'accord. Ah oui. Qu'est-ce qui soigne tout là? Regarde-moi. Sympa. J'aime ça. J'aime ça. Alors, si vous me connaissez, vous savez que j'adore ce genre de boss. Sympa. Mais qu'est-ce qui les soigne là? C'est ça que je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Je ne peux pas bouger, je ne sais pas pourquoi. Mais il est toujours pas mort lui? Ça fait 8 ans que je lui tape dessus. Pourquoi il est toujours pas... Merci quand même. D'accord. C'est chiant. J'ai horreur des boss arènes. Alors ça, vous savez que c'est un truc dont j'ai horreur. Je trouve que c'est l'idée la plus conne qu'on puisse avoir dans un jeu. C'est-à-dire que t'as un boss et en fait, le seul moyen de le rendre difficile entre guillemets, c'est tu lui fais un truc, tiens je te mets 50 mobs, tiens tu me fais un truc, je te mets 50 mobs. Alors ça, je trouve ça mais d'une nullité. C'est... Bah alors, pourquoi ça s'améliore pas? Mais pour déverrouiller. Ah oui non, je l'avais déjà acheté celui-là, c'est vrai. Voilà, plus de poison. Et ça, c'est 12 008. Ok. Ah, mais je trouve ça d'une nullité, moi, les boss arènes. C'est la pire idée de game design de l'univers. Je sais pas qui est-ce qu'il l'a eu, celle-là, mais... C'est-à-dire que le seul moyen de rendre quelque chose difficile, c'est de faire en sorte qu'il... Voilà, quand tu le bats... Là, c'est pareil. J'étais dans une anime. Et donc, comme je suis dans une anime, je ne peux rien faire. Ok, là, je peux pas la toucher. Donc là, il va faire pousser des trucs qui sont en fait des mobs. Je peux rien faire. Mon soin, mon soin, mon soin. Merci. We'll be right back.
Qu'est-ce qu'il les soigne comme ça? C'est horrible. Qu'est-ce qu'il soigne l'ennemi comme ça? J'aimerais avoir la réponse. Parce qu'en fait, quand les... Ah, ça m'énerve de pas pouvoir esquiver. Alors que j'appuie clairement sur la touche. Parce que je suis pris dans une animation et que cette animation derrière m'empêche d'esquiver et donc je prends des attaques. Ah, c'est très très chiant dans le jeu, ça. Pire idée de game design du jeu. Le jeu est très bien, sauf quand il t'emmerde avec son gameplay. D'accord. Vas-y, c'est chiant. Boss horrible. Boss chiant. Ok. Je vois des bestioles. Très bien. J'ai adoré. Pourquoi je me suis envolé, je ne sais pas. C'est peut-être ça qui les soigne, ces petits... Merde là. Je peux pas savoir ce que j'ai pas bien vu. Ok. Changer d'arme, je sais pas pourquoi. Merci. Ça doit être ça qui soigne. J'ai demandé de s'abaisser en fait. C'est nul. Ah, il refait ça quand même. Ah mais non, je peux le tabasser aussi. Ok, fin d'animation. Je me prends une attaque qui fait que je meurs. Oui. Ah, ça m'énerve. Quand tu en... Et ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu es en fin d'animation, tu as une latence un peu merdique sur laquelle tu peux pas bouger, quoi. Et ça, c'est chiant. Mais tu es un boss de merde. Arrête, boss. Ben, je sais pas, fais quelque chose, quoi. J'ai pris un coup, je sais pas de quoi. J'ai lâché juste un peu trop tôt. Ah.
Ok. Ok. Ah, j'aime. Je suis soigné là ? Ah non, toujours pas. Elle a pas fait son attaque. Super, super. Ok. Dès qu'il me demande de baisser la difficulté, je la baisse parce que ce boss m'énerve. Mais je vais faire exprès de mourir en boucle jusqu'à ce qu'il me dise « Tu peux baisser la difficulté parce que ce boss m'énerve. » J'ai horreur des boss comme ça, c'est de la merde en termes de game design. C'est de la merde, donc je vais juste mourir en boucle jusqu'à ce qu'on me dise « Tu peux baisser la difficulté. » Vas-y, tue-moi. Tue-moi, dépêche-toi. Ah mince alors, je ne sais pas esquiver. D'accord, il tape qu'une fois avec son laser. Aïe. Oh mince alors, je me suis fait toucher. Oh mince alors, je me suis fait toucher. Oh mince alors, je me suis fait toucher. Ah vite. Ah mince alors, je me suis fait toucher. Ah non, il m'a loupé, quel con. Oh, mais il est chiant. Vise bien, quoi. Allez, vise bien. Mince alors, je me suis fait toucher. Hein, mais là, j'ai pas pris son laser, mais pourquoi? Je comprends pas. Là, j'ai pas compris pourquoi je prenais pas le laser. Oh, je suis mort. C'est quand même dommage. J'avais pourtant des soins. Merci. Voilà. Ah bah oui, à un moment, les boss de merde, on les passe comme ça, hein. C'est même pas... Le boss n'a rien de difficile. Je sais très bien comment le battre. Ben Zouzi, c'est juste l'afflux de mobs qui est totalement délirant. Et quoi en fait le baissage de la difficulté? C'est ça la question. Et si on prend moins de dégâts? Peut-être. Il y a moins de mobs. Je peux changer d'arme, merci. Les mobs ont moins de vie, je sais pas. Ils doivent avoir moins de vie, je crois. J'en ai pris plein le cul. Je sais pas ce que c'est ces trucs-là. Ça doit être ça qui les soigne. Non, ici ils ont clairement moins de vie, ça c'est clair. Ils ont peut-être moins mal aussi. Je sais pas. Mais par contre ils ont clairement moins de vie. Non mais le boss sinon n'a aucune difficulté. Hein. Il fait un petit peu moins mal aussi. Parce que... Ah il y a moins de projectiles aussi. Alors parce que on est d'accord que le boss, tu dois juste esquiver ces virus là et... La seule difficulté du boss c'est les mobs. Donc voilà, exactement ce que je disais.
le fait de ne pas pouvoir esquiver. Après une attaque, m'a encore joué des tours. J'ai même pas bouché. Et pourquoi elle change pas d'arme quand je lui demande? Pourquoi t'esquives pas quand je te le demande? Mais c'est assez chiant, vous savez, de devoir appuyer 15 fois sur une touche pour qu'elle se passe. Est-ce que vous le saviez? Dans les jeux, c'est bien quand vous faites une demande, le jeu réagisse. Que là, il réagissait pas. Hein. J'ai vraiment demandé 3 ou 4 fois à mon perso d'esquiver. Il l'a jamais fait, quoi. Vas-y. T'es mort, voilà. Tu peux envoyer des trucs. Un peu de cacahuètes, voilà. C'est bon, vas-y, ouvre ton dernier œil là. Allez! Oh là là! Voilà aussi pourquoi j'aime pas les boss arènes, c'est que t'as des moments où il se passe rien. Et clairement. Je sais pas pourquoi elle a pas changé d'arme. Voilà. T'es soigné? Merci. Voilà. Ah, maintenant ça va être ça? C'est-à-dire qu'une fois que t'as tué les ennemis... Ah non, il t'en renvoie, d'accord. Voilà, donc boss arène à la con. Clairement, le genre de boss que je n'aime pas. Les boss les plus mal designés. Hein. Et c'est les boss où il y a toujours... Dans tous les cas où il y a un boss arène, c'est un boss où il y a toujours zéro challenge. Et le seul challenge, c'est comme je le disais, les mobs qu'on te rajoute. Donc c'est de la merde. Clairement. Le pouvoir d'ouvrir les portes bizarres. Étoiles filantes. Tania peut utiliser des étoiles de jet faites de nanomatériaux condensés, dites étoiles filantes, pour infliger des dégâts aux ennemis à distance. En raison de la quantité limitée de nanomatériaux, vous ne pouvez vous rapprocher qu'aux zones de repos. Ah! J'en ai combien? Ah. Alors, X. J'ai combien d'étoiles filantes? RT. Ah, j'en ai 50, d'accord. Bah, je croyais que je pouvais me régénérer qu'aux zones de repos. Pourquoi j'en ai récupéré? Comprends pas. On me dit tu peux en récupérer qu'aux zones de repos et j'ai ouvert une porte et on m'en a donné. Comprends pas moi. Peut-être que les portes spéciales, là, les portes étoiles, elles m'en donnent. Donc c'est le seul moyen de les ouvrir. Ben, j'avais pas cassé ça.
Oui, mais le jeu maintenant il est en facile, c'est ça? Oh, je m'en fous. Vous allez bien? Kof, plus ou moins, on dirait que tu m'as encore sauvé, Tania. Comment savez-vous qui je suis? On dirait que tu n'as pas hérité des souvenirs des précédents modèles le concernant. Alors laisse-moi me présenter. Je crois qu'il y a un bug. Je suis chercheur. J'étudie l'histoire des cultures des îles d'Oras. Tu peux m'appeler Prof Lore. C'est vous le Prof Lore? J'ai lu votre carnet. Alors tu sais probablement que j'ai collaboré avec Herveus. J'ai étudié le matériel archéologique et historique pour aider ses recherches sur l'énergie Karpas. Mais ta création était quelque chose de complètement dépassé mes attentes. Les recherches d'Herveus ont progressivement dépassé des limites qui ne plaisaient pas. En dépit de mon opposition, il a insisté pour mener des expériences sur les mutants en utilisant des points d'explosion énergétique dans la vallée des anciens. D'un point de vue scientifique et éthique, c'était absolument inacceptable. Nos différends ont créé une faille dans notre relation qui ne faisait que s'élargir. Je suis finalement venu ici seul pour essayer de saboter les expériences et je frôlais la mort. Rendu fou par mes actions impulsives, il a utilisé cet arbre mutant pour m'emprisonner. Heureusement, l'arbre avait déjà absorbé toute l'énergie Karpas de la zone. Herveus, est-ce qu'il va bien? Les ambitions du docteur Herveus sont devenues incontrôlables. Donc, toujours pas échappé au démon. Professeur, la porte de la cellule a été ouverte. Rendez-vous au village de Kamisa. Je connais Gakti. Je vais d'abord lui demander refuge. Tu connais un passage secret pour m'y rendre. Qu'est-ce que tu dois faire? Tania, en te regardant, je vois que tu n'es plus seulement une bionique créée pour suivre les autres d'Herveus. Je suis heureux de voir que tu as grandi. Fais ce que tu dois faire, Tania. Nous aurons le temps de discuter lorsque on sera de retour au village. Bien. Ok. Mais nous, on va s'arrêter là. Voilà. 12 000, il me manque 9 000. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.